Adieu les moussaillons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo toute particulière car c'est un unboxing et ce n'est pas n'importe quel unboxing puisqu'on va déballer en exclusivité les oreilles des 100 ans de la Walt Disney Company. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti pour le unboxing. Bon, les petits moussaillons, il est temps de vous présenter donc cet unboxing du serre-tête à oreille en édition limitée Disney 100, comme vous pouvez le voir. Ce magnifique packaging qui est vraiment juste superbe. De dos, bon, rien d'extraordinaire, hein, le Disney 100, voilà, vous pouvez voir. Tout simplement avec des petites inscriptions sur le côté, voilà. Très très jolie boîte, hein, on ne peut pas le nier. Donc voilà, et là on va l'ouvrir. Alors, je vous avoue, je m'en suis déjà servi, hein, donc je l'ouvre, mais c'est pas une surprise pour moi. Donc, on retrouve dedans nos oreilles, qui sont bien emballées. Je vous les montre pas de suite. Un petit chiffon pour les nettoyer. Alors bon, soyons francs, c'est vraiment tout petit. Hein. J'aurais préféré un truc un peu plus grand. Et puis, je sais pas, justement, avec une écriture Disney 100, ça aurait été sympa. Et on retrouve aussi le certificat d'authenticité, voilà, vous le voyez, donc serre-tête en oreille, serre-tête à oreille en édition limitée. Ce serre-tête à oreille de souris, lancé pour la première fois en 2022 à la D23 Expo, est un article commémoratif en édition limitée. Il a été particulièrement conçu par les artistes Disney pour un effet spécial platine. Célébrer 100 ans d'émerveillement avec cette collection unique qui capture la magie qui a commencé l'aventure Disney. Donc voilà, très très belle petite carte. Alors elle est en français et bien entendu en anglais. Voilà. Alors maintenant on va ouvrir ce merveilleux objet qui est très très bien emballé, on va pas le nier. Voilà, dans un petit sac satiné avec le logo Disney 100. Vous voyez, attendez, je vous essaye de vous le montrer un peu mieux. Voilà, qui est vraiment juste très 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 beau. On va l'ouvrir et on découvre la bête. Hop là, doucement. Regardez-moi ça comme c'est joli. C'est juste magnifique. Elles sont Canon de chez Canon. Voilà. Vous les avez aussi de dos. Elles sont vraiment, vraiment superbes. L'étiquette avec le Disney 100. Attendez, je vous le mets dans le bon sens. Le Disney 100. Voilà. Mais en même temps, dans l'autre sens, le Disney 100 aussi sur l'arceau, qui est vraiment très, très joli. Ce qui est bien, c'est que pour une fois, l'étiquette est en noir, ce qui fait qu'elle dénote pas. Moi, perso, je ne l'ai pas enlevé, hein, bien entendu. Le petit nœud qui est effet métallique, qui est vraiment très, très joli. Vraiment très, très bien. Le seul reproche que je pourrais faire à ces oreilles, c'est pas sur les oreilles elles-mêmes, parce qu'elles sont juste superbes, c'est que Disney nous fait toujours de très, très beaux produits en oreilles. Mais c'est souvent, et même pratiquement tout le temps, des oreilles féminines, des oreilles mini. Ça aurait été bien d'avoir les mêmes sans le nœud. Ça aurait été sympa pour les garçons. Donc voilà ce merveilleux produit. J'espère que cet unboxing vous a plu. Et je vous dis à très très vite. Au revoir les amis. Bon ben voilà, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Perso, moi je trouve ce produit vraiment superbe. Alors certes c'est un peu cher, hein, 200€ c'est pas donné à toutes les bourses. Maintenant sachez qu'avec votre réduction Pass Infinity vous pouvez avoir moins 20%, donc ça vous reviendra à 160€. Pour ma part, je ne vais pas les mettre de côté pour les exposer ou quoi que ce soit. Moi si je les ai achetés, c'est pour m'en servir. Donc si un jour vous voyez quelqu'un sur le parc avec ces oreilles là, il y a de grandes chances vu le tarif que ce soit moi. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça me fera plaisir. Et puis on pourra discuter, se faire un petit selfie ou autre. Voilà, sur ce, moi je vous laisse, je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas bien entendu à vous abonner, à mettre un petit pouce et un petit commentaire, ça aide la chaîne et ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très très bientôt, au revoir les amis !